Qu'est-ce que vous allez dire? Katia Kurt, non. Qu'est-ce que tu as à dire? Katia Kurt. Qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce que j'ai à dire? Mais je n'ai rien à dire. Qu'est-ce que je dis tout le temps que je n'ai jamais rien à dire? Ah tiens. Ça c'est un actoral. Bien monsieur. Voilà bien, ce que monsieur. J'ai à dire. Rage dedans, rage dedans. Bonjour. Ça c'est Solène. Excusez-moi, j'ai l'air mouillé. Ça c'est Gégé. Là je suis impressionnant. Gégé, tu as quelque chose à dire pour l'avancée de la poésie en basse collégie? Oula. Ouais, d'accord. La poésie. La petite, tu as quelque chose à dire pour l'avancée de la poésie en basse collégie? Liliane, non plus. Moi, tu m'as rien demandé. Je pense que l'avancée de la poésie est en recul partout. Ouais. Bon, voilà. Mais bon, je suis pas d'accord avec vous, Liliane. Non, mais bah, attends, je vais finir. Elle avance comme les crabes, c'est-à-dire ou de côté, ou en arrière. Rigolez, les vrais travailleurs de la poésie qui travaillent dans l'ombre, qui travaillent 12-15 heures par jour, sont en train d'avancer. Et ces textes vont exploser un jour. 12-15 heures par jour, c'est trop. Hein. Non, c'est pas trop. C'est bien, c'est ce qu'il faut. Comment c'est je dois faire? Bah, rien faire, ça. Dans le journal, c'est marqué que Thierry. Et peintre à 16 heures, c'est ça? C'est pas. Non, poète à 16 heures. Poète à 16 heures, c'est marqué. Mais je trouve qu'il y a une. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a une mythologie de Katia Kurt. Elle est quand même. Ah oui, c'est une personne formidable aussi. Mais avec une.